on va faire une carte. Voilà, ça va un petit peu changer. On m'a demandé de faire une carte d'anniversaire pour un homme. Voilà. Donc ça aussi, ça va changer parce que c'est rare que je fais des cartes pour les hommes. Donc comme d'habitude, bah, je me suis étalée un petit peu plusieurs choses. Donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Bon, ce que je sais, là, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas mettre de sticker style. Bon, le stickers, voilà. Style Paul. Voilà, je vais arriver à le dire. Hein. Je pense que je vais faire un tampon, voilà, avec celui-ci, que je n'ai encore jamais utilisé. C'est de la marque Easy. Je crois que je l'avais eu gratuit avec avec une revue. Je ne sais plus avec laquelle. Mais bon, ça fait un moment que je l'ai. Ensuite, je vais faire une découpe avec celui-là. Donc ça, vous le connaissez, hein. J'ai déjà fait. Donc j'ai pris un fond de carte bleu. J'ai pris du papier noir. J'ai pris un papier écriture comme ça, donc c'est ça vient d'un bloc action, hein. Vous voyez derrière, c'est ça. Mais j'ai pris côté écriture, j'ai pris du cardstock blanc, j'ai pris mes découpes chiffres, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore pris? J'ai pris une chute de carton mix média, donc argenté. Bon, j'ai pris pas mal de choses et puis on va voir au fur et à mesure, comme d'habitude. Alors là, en plus, mon bureau est un petit peu comme ça, parce que bah, je suis en train de faire la commode, vous le savez. Là, ce matin et ce début d'après-midi, j'ai fait des masques pour une amie qui travaille qui travaille pas à l'hôpital, mais enfin qui travaille pour l'hôpital, donc qui en a besoin. Donc c'est un petit peu redevenu le bordel. Voilà. Mais bon, après je vais tout ranger, y a pas... ça ira. Donc on va changer le téléphone de place et puis on va attaquer la carte et on verra ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. On est parti. Donc là j'ai sorti mon découpe papier. Donc je vais mettre ma carte sur le côté pour l'instant. Et je vais me découper déjà un fond noir. Donc la carte fait 15. Donc comme d'habitude, ça va être le bazar. Parce que comme je n'ai pas beaucoup de place, on va se débrouiller. Alors, on va prendre le côté. Alors, on va couper. Alors, je vais couper à 15 parce que mon papier n'est pas très droit et je recouperai à 14 après. Je vais faire 14 et demi. Et demi bien sûr dans l'autre sens. Voilà, j'ai déjà un carré comme ça qui va venir donc sur la carte. J'ai bien fait, hein? Oui, qu'est-ce que... Vous allez voir que j'ai déjà fait une bêtise, plus grosse que moi. Ah bah oui. Bon, je recommence. Attendez, je crois que ça, il y a le papier pas perdu. Hein. Je vais reprendre une autre feuille. Ah là là, ça commence, ça commence, ça commence. Voilà.
j'ai repris une grande feuille. Alors, j'ai dit 14 et demi. Voilà, et 14 et demi dans l'autre sens. Voilà, là c'est bon. Je vais couper tout de suite celui-là. Donc là, je vais faire 14. Et bien sûr, 14 dans l'autre sens. J'ai plus besoin de ça. Alors, ensuite, je vais prendre une chute de papier. Alors, on va voir si les petites chutes me suffisent. Pile poil. Alors, comme c'est pile poil, il vaut mieux que j'aille bien droit. Voilà. On va couper ça à la Big Shot. Désolée, vous allez voir mon gros bras. Je vous fais bouger. Oh là ! Les plaques commencent vraiment à prendre un coup dans la figure. Je vais repasser une fois. Comme il y a beaucoup de motifs. Désolée, je vous fais trembler. Alors, on va voir si ça suffit. Ma petite brosse magique, où j'ai mis ma petite brosse ici. Je laisse pour l'instant la découpe dedans. Hop, à la poubelle. Il reste quelques petites voilà. Ça va partir. Voilà, ça s'en va très bien. Encore une ici. Je pense que c'est bon. Ah, encore une là.
Voilà. Donc maintenant, ça, je vais le coller là, voyez. Donc pour l'instant, je m'occupe de celui-là. Je vais prendre un papier brouillon. Bon, je vais prendre ça pour mettre de la colle avec le stylo colle. Avec celui-là. Il y a beaucoup de motifs comme ça, c'est un peu compliqué, enfin pas compliqué, mais un peu rébarbatif à... Par contre, le jour que je remettrai les pieds, parce que je ne vais pas y aller maintenant, action, hein, je laisse passer d'abord tous les fous. quand je remettrai les pieds à action, je vais peut-être reprendre un stylo comme ça, s'il y en a encore. Parce qu'en fin de compte, ils vont bien. Vous voyez, au début, je vous avais fait une vidéo hein, là-dessus. Et ben, je les aimais pas puisque je n'arrivais pas à m'en servir. Et là, ben, maintenant, je les aime. Ah, il est resté. Hop. Voilà. Voilà. Alors, j'en avais deux petits, voyez, comme ça. Donc, je vais recouper des petits. Je vais couper des trucs avec des paillettes. Ça fait que je me retrouve avec des paillettes partout. C'est chiant. Ah. Il ne voulait pas s'en aller. Voilà, je vais en refaire un deuxième. Désolé hein, pour le gros bras que vous voyez. Hop là. Voilà, et on va faire le petit.
Le papier tout abîmé, c'est pas la peine. On va prendre un petit bout de chute. Oh, pardon. Le petit. Bon, je vais faire comme ça pour l'instant. Si je vois que j'ai encore besoin d'un ou deux, je verrai. Donc là, je vais couper mes chiffres. Bon, je laisse la plaque entière. C'est rien, c'est pas un problème. Moi, j'aurai des chiffres d'avance. On va voir ce que ça donne. Je m'en suis jamais servi non plus. J'aurais dû mettre la Big Shot sur ma droite au lieu de la laisser sur la gauche. Je vous aurais moins gêné avec mon bras. Si ça, non, si, c'est bon, mais mon négatif c'est pas mal aussi. Hein. Alors, voilà. Hop. Alors là, j'ai besoin du 3. Du 3 et du 5. Ben, il est où le 5? Ah, il est là. Voilà. Donc les autres, je vais les mettre de côté pour une prochaine fois. Ah, par contre, argenté comme ça, ça se ressort pas. Alors, attendez. Est-ce que si je fais ça... Je cherche. Je vois ce que ça donne. Oui. Alors ça, je vais le couper en noir. Hein. Que je me trompe pas de papier, est-ce que j'ai une chute assez peu? Bon. Et on tourne et on tourne et on tourne. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça c'est les tags de chez Action. Ah, je croyais qu'il coupait mal, j'allais dire non. Hein. Voilà ce que ça donne.
va falloir que je lave mes plaques. Hein. C'est pas possible ça. Donc, de la colle. J'ai ma pince là quelque part. J'ai mon ventre qui gargouille. Voilà. Donc là, on va mettre un petit brad. Sont ici. Alors, je vais prendre le grand et le petit, je vais voir celui qui va le mieux. Donc ça, c'est le grand. Ouais, déjà, oui. Le grand va bien. Le petit, je pense qu'il va être trop petit. Ouais, non, moi je n'aime pas. Je préfère le grand. Donc ça, on va le... Voilà. Donc ça, on va voir après. Alors maintenant, mon tampon. Alors, est-ce que je fais sur du blanc et je fais un entourage en noir? Bon. Alors, j'avais du noir. Oh,
Ah, j'ai oublié de faire quelque chose, heureusement, avant mon tamponnage. De talc. Pour pas qu'il y ait de... Puisque je vais le faire en embossage. Voilà. J'ai perdu mon couvercle. Non, je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est la vieille poudre que j'avais eue à Lidl. Donc là, elle est grise. Bon, c'est pas de la poudre d'embossage d'une bonne marque, hein. Voilà, ça va. Alors, surtout, refermez ça bien avant de, de faire aller son souffleur, hein, sinon on a des surprises. Alors, un peu de bruit les filles, désolée. Ah bah oui, si j'allume pas le bouton. Voilà, alors, on va couper l'étiquette. N'ayez pas peur. Oh, les paillettes.
Ça ne me plaît pas beaucoup. Non, ça ne me plaît pas. Et quand ça ne me plaît pas, ben... Non, j'aime pas. Alors, quand on n'aime pas, ben on ressort ces stickers. Voilà, je ressors mes stickers, hein, les filles. J'aime pas, j'aime pas. Alors, j'ai un problème, les filles. Vous voyez, ceux-là, quand j'ai fait mon déménagement d'atelier, là, ben, j'avais toutes les tailles. Bon, et souvent, je me servais le tout petit, non, celui-là très grand, non plus. Je me servais des deux tailles intermédiaires. Et ben, plus moyen de mettre la main dessus. Et je suis bien embêtée parce que du coup, c'est ceux que je me sers le plus. Et puis, je les retrouve plus. Alors, est-ce qu'ils sont partis par inadvertance dans la poubelle? Je n'en sais rien. Mais je ne les ai plus. Et puis maintenant, je ne peux plus les trouver chez Action, je crois. Donc, je suis bien embêtée. Je suis embêtée. Oh là là, les paillettes, elles sont incrustées dans la plaque, hein. Il y en a partout. Je vais passer mes plaques à l'eau après. Ah là là, ça craque. Voilà. Du coup, je suis obligée avec un petit bout de tissu de frotter. Allez, je vais mettre mes stickers. Vous voyez? Donc, je ne colle pas à fond tout de suite, hein, je vous le redis, hein, je vous le dis à chaque fois. Parce que le temps que je vois que je suis mise bien droite. Voilà. Bah, du coup, là, je peux reprendre mes brades, mais les petits. Donc, la même couleur, bien sûr. Voilà. Je vais prendre mon aiguille. Pour percer.
Ah. Voilà. C'est beaucoup mieux. C'est plus fin, j'aime mieux. Alors maintenant, je dois avoir mon 3B ici. Oui. Oups, j'en ai peut-être plus beaucoup là. On va faire avec. Sinon, on reprendra un rouleau. Alors, j'avais les ciseaux. Voilà. Le tag, pareil. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre mes petits rouages après. Là, on va les coller. Donc, mon stylo colle. Allez. Voilà. Et le petit dernier. Faire attention, hein, il y a un endroit, il y a un envers, hein, sur les découpes.
Voilà. Bon, pour l'instant, c'est bon. Donc, maintenant, on va s'occuper déjà de ça. Donc, je vais regarder si j'ai encore du 3D. Surtout, est-ce que j'ai encore du 3D? Oui. Donc, je vais en sortir un. Parce que de toute façon, je sais que je vais en avoir besoin. Et voilà. Allez, on attaque. Bon, je vais tout coller en 3D pour que ce soit plus joli. J'ai eu peur. Je regardais l'heure. Je me dis, mince, il est 6h15. Mais non, il est 3h15. Du coup, je me suis fait peur à moi toute seule. Je dis, mince, j'ai pas préparé le souper. Bon, tant pis, on aurait mangé des tartines. Hein. J'ai un mari pas difficile. Hein. Ce soir, je fais une recette de sirène lignac. Bon, un truc tout simple. Si vous avez regardé l'émission, je fais sa recette de petits pois aux saucisses de Strasbourg. Des fois, je manque d'idées. Voilà. J'ai tapé dans ces recettes. Voilà. Et maintenant, on va mettre celle-ci. Alors, pareil, on va lui mettre du 3D. Ah bah, vous voyez, il n'y en a plus. Je vais garder quand même parce qu'il reste un petit bout. Il peut me servir. Voilà. Alors, en parlant de recettes, celles qui ont mon Facebook ont peut-être vu les photos. C'est hier, je crois. Ouais, je crois que c'est hier. J'avais envie de faire un chinois au raisin. Vous savez, le gâteau, là. C'est comme des escargots, mais on les met tous l'un à côté de l'autre et dans un plat à gâteau. Voilà, puis ça fait un gâteau, un chinois au raisin. Voilà. Donc, je prépare ma pâte à brioche, je prépare ma crème pâtissière, je prépare tout. Une fois que ma pâte a été montée, tout, au moment du montage du gâteau, je mets ma crème pâtissière, j'abaisse ma pâte pour faire un grand rectangle. Je mets ma crème pâtissière, mes raisins, tout va bien. Et au moment de rouler
ma pâte, donc ma brioche. Pas moyen. Pas moyen. Ça a dégouliné de partout. Ma pâte, elle s'était ramollie. C'était une horreur. Mon mari est venu à ma rescousse. On était morts de rire tous les deux. On n'en pouvait plus. On rigolait comme des fous. Parce qu'en plus, il y avait je mettais de la farine partout. Il y avait de la crème pâtissière qui dégoulinait de partout. Et du coup, après, j'ai dit, bon, tant pis, on va sortir. J'ai pris le plat, j'ai mis à côté de moi. J'ai pris la pâte du gâteau. J'ai tout rassemblé, comme ça. Alors, il y avait la crème pâtissière, hein, il y avait tout. J'ai tout rassemblé, j'ai fait une grosse boule. J'ai pris mon plat gâteau. Alors, c'était sur ma plaque de travail en verre. J'ai pris mon plat gâteau. J'ai mis le plat gâteau à l'envers dessus. J'ai dit à mon mari, reste à côté de moi. Je dis, tiens le plat gâteau, mets ta main. Moi, je prends la plaque de verre et je retourne tout. Alors, j'ai tout retourné. Et ça fait que ben, j'ai fait un chinois tatin. Voilà. J'ai fait une brioche, mais retournée. Oh, écoutez, c'était... On était mort de rire. Donc je l'ai fait cuire comme ça. Et puis, c'était bon. On l'a mangé et tout. C'était nickel. Mais, je m'en rappellerai. Hein. Je vous le dis. Bon, je vais couper un ou deux petits comme ça en argent pour voir ce que ça donne. En plus, du coup, j'avais fait une recette, mais j'ai pas fait attention aux proportions. J'ai fait une recette pour 10 personnes, alors qu'on n'est qu'à 2. On en a encore mangé aujourd'hui, il en reste encore la moitié, là. Donc, on va encore en manger demain. J'ai fait la recette pour 10. Du coup, après, on s'est mis à 2 pour tout nettoyer. La farine partout, il y en avait sur mes pantoufles, il y en avait... Oh, une horreur. Ah, je vous jure. Des fois, quand il y a des conneries à faire, je suis là aussi. Hein. Mais bon, c'était un nouveau concept. Oh. Voilà. Bon, comme ça. J'ai mis au-dessus ou en dessous? Non, je vais mettre en dessous. Alors, j'avais mon stylo colle, là. Voilà. Ah. Ma pince. De coller à mes doigts. Voilà. Bon, on les voit un peu moins, mais ça donne un peu de brillant.
Je vais peut-être en remettre un là. Et puis ça ira. Chercher après mon rouage. Bon, ça, il veut pas, hein. Il veut pas tenir dans mes mains. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est bon là. J'ai rien d'autre à y mettre. Parce que là, bon, de toute façon, c'est un homme, donc on ne va pas lui mettre des petites perles. Hein. Bon. Donc voilà. Le joyeux anniversaire. Voilà. Allez, je vous change la caméra. Re-coucou, donc voilà ma carte, joyeux anniversaire, donc pour un homme. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve sobre, jolie, chic. Et j'aime bien. C'est moi qui l'ai fait, c'est normal que j'aime bien. Enfin bon, il y a des choses que je fais et que j'aime pas. Hein. Ça, je vous rassure, hein, des fois, il y a des trucs que je fais, mon Dieu, c'est moi qui ai fait ça. Alors voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon là, maintenant, je vais le montrer à la personne qui me l'a demandé. J'espère que ça lui plaira. Sinon, on sait rien, j'en referai une autre, hein, il n'y a pas de souci. Et celle-là ira dans ma boutique, hein, si... Bon, il faudra que c'est quelqu'un qui a 35 ans. Mais sinon... voilà. Non, mais je trouve assez chic. Donc voilà. C'était ma petite carte du jour. Voilà, ma petite vidéo du jour. J'essaye, vous voyez, en moyenne, de vous en faire au moins une par jour. De vous en faire au moins une tous les jours plutôt. Voilà. Là, ce week-end, je vais voir comment je vais faire. Parce que à partir de jeudi soir, j'ai le fils de mon mari qui sera là jusqu'à samedi. Samedi ou dimanche, je ne sais plus. Donc, je verrai comment je vais faire. Bon, malgré que ça ne me gêne pas, hein, de faire des vidéos quand il est là. Donc, on verra bien ce que je ferai. Mais on n'y est pas encore. Hein. Je dis, c'est après-demain. Donc, voilà. Je la remontre. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Même si vous n'aimez pas, hein, dites-le moi. Et donc laissez-moi les commentaires, laissez-moi les petits pouces bleus, voilà. Et puis on se retrouve donc très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses. Comme d'habitude, je vous souhaite une très belle journée. Et puis surtout, ne faites pas de bêtises maintenant qu'on a le droit de sortir. Soyez prudents, hein,
n'allez pas cavaler à droite, à gauche, parce qu'on a le droit de sortir. On reste prudent. Voilà. Allez, à bientôt. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.